Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
You
Jaram pavam ktaram charu param kedri inum pari knyavrop Kinchorem Tawam Pari Knevrim Chinchamri Inyam tore Iknadram chidoram Tethovram Inam tedri Inam Gntori Non iurem inam sinceru iahavam tedru Nodri 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 Trodim Patre Inam pau Yaram parim Yarovam Vavam Padrant kteri Yuram todu Skntjavskte Ritnjadu Retskti Rilano Pauron Nyavrem tinterin Padrom Yom Ktadram Ti Yunam Tropodri Nyavram
Martino. Gnavram Thori. Njudrim Thori. Yudrim Thadre. Yudrim Thadre. Pavam Thadridam. Krajan Cho. No. Trajim tu. Knavam podrim to. Yo. Inyeram stodrim inam ktodrim inam pedrim kinyafn ktodrim. Padren, 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 Padren. Padrem Tinarum. Thank you.
flétalos Génua. Levate. Thank you.
Dominus vobiscum. Ite missa est. Thank you.
Thank you.
café. ¿Ay? Test the show. Please test the show. Ishat manaki. Oi. Thank you.
Pues, j'ai l'idée de faire un morceau j'ai l'idée de faire un morceau j'ai l'idée de faire un morceau où il n'y aurait que des tables et des chaises qui bougeraient assez rapidement, comme si tout qui veut s'asseoir s'assied rapidement et puis se lève rapidement, puis se rassied, se relève, se rassied, se relève, se rassied, se relève, puis plus rien. Et puis une dizaine de personnes qui ne savent pas trop si elles doivent applaudir. Elles applaudissent, elles hésitent, elles applaudissent quand même un petit peu. On se trouve alors en 1977, tout début, le 6 janvier 1977. Et puis il m'est arrivé la même chose le 20 février 1984. J'avais un concert et j'ai fait passer cette pièce où il y a un certain nombre de convives donc qui se mettent à table, sortent de table, se remettent à table, sortent de table, et ainsi de suite, en bougeant leurs chaises. Ils ne disent rien, ils bougent leurs chaises. Mais on trouve que c'est pas mal.
Et le public est plus important, il y a une quarantaine, 45 personnes, je crois. Et on applaudit. C'est fourni, c'est sérieux comme applaudissement. C'est sérieux, oui. Et puis, la dernière fois, c'était l'an dernier. 2032. 5 juillet. Une salle comble. J'ai repassé la même pièce. Donc, la table, les chaises qui bougent. Ça durait 3 minutes. Mais la salle avait compris. Fantastique. La dernière chaise qui bouge, elle a terminé de bouger. Un applaudissement extraordinaire. Vraiment fantastique, quoi. Comme à la fin de la cinquième de Beethoven. Quelque chose d'exaltant. Le public avait compris. On pouvait enterrer l'œuvre. Oui. C'est pas mal. Puis maintenant que je suis mort, sans doute que ça aura encore plus de succès. Je le suppose. Je l'espère. J'en suis certain. On magnifie toujours l'ego d'un autre seulement quand il est mort. Que s'est-il passé quand Magritte rencontra Léonard de Vinci? Ils n'eurent qu'un sujet de conversation. Ils parlèrent de Joseph Beuys et de Jésus-Christ. La légende dit que Magritte dit: que Beuys était prophète. Il devint aussi le père de Jésus. Et pour ce faire, il s'appela Joseph.
légende dit que Léonard de Vinci approuva donné de la conversation. Ils ne surent plus que dire. Et parlèrent de et de bien d'autres.
Thank you.
Ignomer of Cedrin. Tic ignorim podris. Iavsn todre. Doc rams tiedri. New jodritum podru. Odro. Niedru. Packet red in cedri. Iopransi. Iudrum poprens. Iefec nadre. Ziap rodrem. Kreps jodra. Iudrum spodru. Iacfrum troprens jodru. Ziap jodra. Lorant iudru. Crumpot jensin cedri. Iodru podru. Iafnetsin tutr gradi. Iocqua. Patrut ctesiu. Iofrupst Bramsenschritt Jugendoblenz Iefroklerins Rlutjubom Rdiliefsto Ruanqua Pedrit Chiodru. Ien jessuntu. Contridiadrugnum. Iaprups rot. Dadruam. Inio. Inio. Tridente. Iocramte. Icradrens in piodru. Iofrnevnsti. Zdjadzruretn. Ryatskn Chtodru Rodzinjabraps Ktawa Rodkn Zatsn Gidjopsrum Padru Wa Zabrat Ktadru Iknodrum Drum Pladzit Iocrum pancim trudet iefnof trudu zdjavam zdjav iudro campod jasn iodrota fligruat pod Padre, controdretsim iedri. Tim drodrie, siaft jodro, controliam, knodri.
Hier soir, il m'est arrivé quelque chose de nouveau. J'étais dans mon lit, et vers 10h30, 11h, je ne sais plus, j'ai dû descendre au garage. Et j'ai fait résonner quelques notes. Quelques notes qui me demandaient de résonner. Je savais très bien quelles notes voulaient résonner. Les sons mat n'avaient pas envie de résonner. Je ne les ai pas fait résonner. Seulement quelques notes. 7 ou 8. Pas plus. Comme ça, quand elles avaient envie. C'était très curieux. C'est très différent, évidemment, d'une symphonie de Beethoven ou d'autres musiques où les gens utilisent les sons. On utilise trop les sons. On viole les sons. On les viole de leur silence. Une corde aime se taire. Et de temps en temps, elle aime s'entendre, se faire entendre. Il y a des jours où j'aimerais être un instrument qu'on ne fait plus résonner.